Ouais. Oh, ça vite. T'as pensé que ça... la crotte... faudrait que j'arrête de bruit. La conteuse de légende. Les pièces du Showbreaker sont éparpillées un peu partout. Ce souvenir d'enfance contient-il davantage que des histoires? Bon, je dépose ça. She used to drink here, in my tavern, when she was alive. I was looking forward to those nights she arrived, all gold and glamour. I was just a girl then, of course. She used to tell such stories, all about where she'd been and the adventures she'd had. I'd write them all down, add pictures, and dream that I was sailing to those places too. Dad told me not to listen. No truth ever roared off a pirate's tongue, he'd say. But kids have to believe in something, don't they? You need heroes to help you grow up. But in the end, I realized two things. Briggsie was a liar, and she was gone. Worse than gone, she'd become another rotten skelly lord, plundering and scaring decent folks. Hey, take my book if you think it'll help. I just wish there was more to it than a bunch of made-up stories. Still, if it does leave you anywhere interesting, come back and tell me about it. I want some real adventures to write about. Briggsie, princesse, moi. Ce livre est à Tasha. J'ai 4 ans et demi et ma meilleure amie s'appelle Briggsie. Quand je serai grand, je serai princesse pirate comme elle. J'aurai même sa couronne magique. Le petit navire. L'attaque, je dois réparer. Golden Sun. Crac. Avant-poste. Il faut cacher ça. Chasse au trésor. Cap sur où? Dagger Tool. La traversée. Bizarre. La meilleure planque. Introuvable. Ami poisson. Golden Sun. Plouf. Viens avec moi, je vais te sauver. Je suis où? Norris. Non, ton bateau. Jouons. Génial. Je ne pensais pas que l'on pouvait voir plus grand. Le voyage d'une vie, c'est ainsi qu'il prend fin. Ces sacs d'os ne m'attaquent plus. Ils se tiennent là et me fixent de leur orbite noire, comme s'ils attendaient des ordres de ma part. Un poisson m'écrase. Je reçus cette violence qui monte en moi. Comme face à cette personne abjecte sur Gallengrave. Heureusement, cette jeune fille ne me verra pas ainsi. Je ne veux pas qu'elle apprenne comment mon histoire finit. Je ne veux pas qu'elle sache quel monstre je suis. Ah, le livre est là. Karen, mon amour, j'espère que tu n'auras jamais à lire cette ligne. Aujourd'hui, j'ai commis la pire erreur de ma vie. Quel idiot j'ai été. J'ai reconnu les couleurs de son navire à l'horizon et j'ai cru pouvoir être la hauteur de Briggsie. Ce n'était pas elle, enfin. Si, mais elle était maudite. Sa chair décomposé, lui tombe des os et elle se bat comme un animal sauvage. Plutôt que de m'achever, elle a choisi de m'enfermer en cage sans me nourrir jusqu'à ce que je me retrouve à bord du vaisseau des damnés. J'ai si faim,
Je ne mérite pas un tel traitement. J'ignore où est Brixie. À présent, je sais juste qu'elle n'est plus humaine. Karen. La chaloupe. Oui, j'ai la clé. J'ai recommencé à tenir mon journal. Je préfère raconter mes histoires dans une taverne bien remplie, mais ça ferait l'affaire. Et puis, il est temps de repartir à l'aventure. L'appel du large se fait entendre jusque dans mes entrailles. Par chance, j'ai entendu la fée aux boucles dorées de sirène parler d'un Shorebreaker. Ça a l'air amusant. Si est-ce la vérité, alors je vais devoir explorer Murder Highway au cas où. Oui. Le voilà. Comme je l'avais escompté, le pirate que j'ai estonné a dit qu'il avait caché ici une carte menant au Shorebreaker. Il ne m'en voudra pas si je l'emprunte. Tous ces nouveaux lieux au-delà du Shore, c'est out. J'ai dit laisser ma marque pour que tout sache que c'est moi qui les ai découverts. Mais pour l'instant, la mer est après moi. J'avais stocké des victuals à Old Cell Atoll. Alors, j'y reste pour la nuit en attendant que la tempête se calme. Demain, j'irai chercher ce que je convoite. Je dois simplement trouver comment ouvrir la cache. J'ai trouvé la deuxième clé. Alors ouvrez le coffre. Qu'est-ce que t'as? Ici, ça pue encore plus qu'à la taverne où j'ai mes habitudes. Mais au moins, je suis au sec et au chaud. Ça me va. J'ai hâte de voir la tête de la petite fille quand je lui dirai que Brixie a atteint les Shore of Gold. J'ignore encore si je vais demander à Sud de m'accompagner. Il est gentil, mais le voyage sera long et il n'aime pas petit. C'est le moins que l'on puisse dire. J'espère qu'il comprendra. La tempête se lève. Il est temps que je me trouve un Shorebreaker.
Je reconnais cet endroit. Subir. Oh, H19. C'est les coordonnées, ça. H. Chekbekov. Ben oui. C'est bien ça, Chekbekov, au centre de l'île. Allons-y. Le voilà. Une ancienne couronne. This crown is the one from Prixie's stories. I can't believe it. She was telling the truth after all. Is even more beautiful than I dreamed it would. I guess Prixie really was a great adventurer before the curse. And you know, maybe it doesn't matter if everything she said was true. The dreams she left me were real. And those are what matter most. I miss those dreams. The world wants us to grow up so fast, but being able to see every day like it's an adventure, we only learn that when we're young. I reckon that's something worth holding on to. You know what? There are still a few pages left. Space enough for me to add stories of my own. This tavern is Dad's dream, not mine. I'm gonna do it. Raise some coin, find a sloop, and live my own adventures, just like you and Prixie. I'll clean up the relic you found, and pass it on to your mysterious friend. Maybe next time we meet, we'll be out there. In the Sea of Thieves.